Salut les Dax, c'est The King Bever sur source maintenant pour l'épisode 2 de la Car Manager. On va commencer directement avec, je vais vous présenter le calendrier des matchs. Nous allons commencer avec le match contre l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Voilà, et on est actuellement positionné, voilà. Voici les matchs, voilà. On est actuellement positionné deuxième, on passe directement au match parce que là, j'ai désolé. Et c'est parti pour le match contre l'OGC Nice. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Destroyed.
Can I be your superhero? D'un match très palpitant contre Nice, belle victoire. Au moins en termes, on gagne 3 points. On doit essayer de maintenir notre place de deuxième parce qu'en cas de défaite, l'équipe à la troisième place peut prendre notre place. On peut même retomber jusqu'à la cinquième place. Voilà pourquoi on doit gagner tous nos matchs pour essayer de maintenir notre place à la deuxième place. Là, nous allons jouer maintenant notre deuxième match de la vidéo contre Lyon. C'est la 15e journée du championnat. On va essayer de battre Lyon. Voilà.
après une victoire miraculeuse grâce à un doublé de notre magnifique buteur et grand buteur Paulo Dybala, notre nouvelle recrue, qui nous a permis de trouver la victoire 3-0 contre l'Olympique Lyonnais, qui n'a rien pu faire à cette attaque destructrice. Voilà, et voici notre prochain adversaire, c'est Monaco, qui a gagné son match contre Strasbourg 3-1. J'espère que ce sera un des matchs les plus faciles. Mais n'oubliez pas, je dis facile, on peut dire facile, mais faut, comme on dit, ne jamais sous-estimer son adversaire. N'oubliez pas, maintenant que là, Monaco a gagné son match, Monaco est classé 3e, les derniers nous, derrière nous. Si on le bat, il n'a aucune chance et on sera toujours derrière le PSG. Et c'est parti. Mais là, on va faire un petit, on va vous montrer le calendrier là pour voir contre qui. Le PSG va jouer contre Rennes. Si Rennes bat le PSG et nous on gagne notre match contre Monaco, on a une chance de monter le premier grâce aux différences de but. Là, nous allons maintenant faire une petite modification de la formation. Voilà, j'apprécie pas, là, je préfère une fois jouer une formation à 4-3-3 avec le trio Coutinho, Dembélé, Coutinho. Voilà, on va jouer avec un 3-4-3-3, le trio, on se fout du trio. Et c'est parti, on va lancer le match contre Monaco. Kylian Mbappé qui va affronter son ancien club. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Oh,
Et on se retrouve après un match très palpitant, mais pas avec beaucoup d'action, mais avec un seul but, le but de la victoire pour Lille, signé Paulo Dybala. Et voilà, c'était le dernier match de la vidéo. C'est le dernier match de la vidéo, qui dit la fin de la vidéo. Si cette vidéo, le deuxième épisode vous aura plu, les amis, likez, partagez et commentez la vidéo. Je vous montre maintenant dans je vais faire seulement dans ce nouveau format, vous présenter seulement les meilleures actions du match. La dernière fois, le match, la première vidéo a duré environ 40 minutes. Là, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Voilà. On se retrouve après, peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, dans quelques jours, le troisième épisode, même la suite de notre série Vida. Je vous d'abord, c'est voilà. Voilà, je vous montre seulement les meilleurs buteurs. Paulo Dybala avec 7 buts, suivi de voilà, par de Cavani. Et c'est dans ce tableau-là qu'on va se dire au revoir, les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.